sa vie. Tourba, tourba. Oh, 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 Zankou, Zankou, la partie elle ne manque jamais. En tout cas les amis, bonjour et une fois de plus, bienvenue au... Morning Show. J'allais dire Super Friday. Non, like, ouais, c'est vrai qu'on annonce pour le Super Friday. Mais on espère que vos week-ends se sont bien passés, on espère que vous êtes prêts pour recevoir cette dose d'énergie que vous prenez du Morning Show de lundi à vendredi. Nous sommes là encore une fois de plus pour respecter ce rendez-vous-là, pour être avec vous durant ces deux heures de temps et partager tout ce qu'on a gardé pour vous. On espère aussi que vous êtes prêts à renvoyer cette énergie aussi 57, 56, 41, 65. On va donc commencer par passer le gros bonjour à l'endroit de ces demoiselles là qui nous accompagnent toujours avec leur intelligence et leur connaissance, Mrs. Marie-Christelle Bott, à qui on va tout simplement dire good morning and warm welcome to the Morning Show. Hi Mrs. Marie-Christelle alias Stability. Hi Mr. Fit alias Touka Touka. Bonjour, bonjour Dani, bonjour La Voix, bonjour Kevin Hendel, bonjour Didier Tata, bonjour Gaël et bonjour à toute l'équipe de production du Morning Show du côté de Bastia. Bonjour à vous à la maison. Je sais qu'on vous a manqué durant ces deux jours et vous pouvez savoir que ce manquement est réciproque et donc nous sommes très contents d'être des vôtres ce matin. Montrez-nous juste que vous avez besoin de nous, nous comme nous avons besoin de vous en envoyant vos messages. Aussi 57, 56, 41, 65, quand il est 10h. À Yaoundé et au Cameroun, le Morning Show s'impose et s'installe parce que 10h, 12h. C'est notre heure. Merci à toi, Mrs. Marie, qui s'est tout simplement dit que tu en jettes. Hein. Ah, merci beaucoup. Non, 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 Peter. Tu en jettes, like. Je ne sais pas ce que la caméra s'y fait parce que moi ici j'ai du vert, à la maison vous avez du bleu. On mais faites, dirait, mais c'est du faut. Vert. Nous on a du bon vert ici oui, là. Dans le vert, vert à la maison vert ils ont sapin. Du bleu. Voilà, à la maison vous avez du bleu, so be careful. Mais bon, Mrs. Marie-Christelle, une semaine encore on repart pour gagner cet award de la femme la plus stylée. Si vous pensez être plus stylée que Marie-Christelle, c'est simple, vous envoyez votre photo. Aussi 57, 56, 41, 65. Depuis une éternité qu'on demande à voir vos visages. Donc voilà une opportunité de nous présenter vos styles. Que ce soit même votre propre cabas du 8 mars que vous portez toujours, envoyez quand même aussi 57, 56, 41, 65. Le piton a été attrapé et on revient donc chez Mrs. Arvin Daniela, à qui on va tout simplement dire good morning and warm welcome to the Morning Show. Hi Mrs. Kenny West. Hi to you Peter. Ouais. Bonjour Marie. Bonjour. Kiki. Bonjour à La Voix, bonjour Endel, bonjour DJ Tata, ah bonjour non. Gaël et coucou à vous à la maison. J'espère que vous allez bien et que votre week-end a été aussi super que vous l'êtes, 10h-12h. C'est notre heure. Merci à toi, Alvin Daniela. Bon, j'ai quand même fait un clin d'œil à ton chemisier. Je pense que tu devais aussi quand même dire merci. Moi, je l'adore. Ouais. Merci, Peter. Voilà. Pourquoi ce choix? Tu sais vraiment pas. Non, mais parce que tu n'es pas, tu n'es pas une panthère, tu es une vipère. Vipère voilà. C'est ça. Donc, faites très attention. Heureusement que ce n'est pas le Super Friday. Allez vous traiter. Aïe, on ne sait jamais. Tu sais quand même que tu es un gars ce matin. C'est ça. Donc, du coup, on n'a pas besoin de savoir que c'est. Apportez déjà notre bol de farine, s'il vous plaît. Parce que je ne suis pas venue ici avec l'intention. Non, non, il ne faut pas me laisser. Non seulement je finis, Peter, là, le plateau de farine et un rouge à lèvres, genre. Qui ne quitte pas. Tu connais ce qu'on t'avait mis. Voilà, voilà. Bon. Et c'est Peter qui va te le mettre. Et comme dernièrement, tu voulais mettre des pommettes à Peter, je pense que c'est le moment. Ouais. Ouais. Bon, moi, je peux te laisser une impasse. Non. Non, attends, c'est écoute d'abord, écoute, écoute, écoute. Tu vois, Peter. On peut te laisser une impasse. Soit tu décides qu'on te maquille, soit tu choisis ce qu'on va te donner en deuxième position. Choisis ce qu'on va me donner en deuxième position. Et la deuxième position, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Oui, mais tu vas découvrir. Nous te maquillons. Plateau à farine. Plateau à farine, s'il vous plaît, on va commencer ce matin très fort en mettant un peu de farine et de gloss sur la bouche d'Avine. Pourtant, le deuxième gars était serré, anti. Je te crois pas, Peter. Non, moi, je suis doux. Peter, j'ai eu l'impression que c'était ça le deuxième. Oui, j'ai eu l'impression que quand tu allais dire de choisir le deuxième, il dit le deuxième, c'est la claque. Bon, Alvin Daniela, voici ce qu'on va faire. Tu es un peu l'heure. Ce n'est pas que je voulais plutôt que tu fasses quelque chose. Donne-moi les indices, les petites. Ça concerne la nourriture. Ça concerne un animal. Ça ne t'attaque pas physiquement. Ça ne t'attaque pas personnellement. Ça t'attaque spirituellement. C'est un animal que tu dois donner.
donner. Maintenant, il y a des indices dans la découverte. Ça ne t'attaque pas physiquement. Ça ne t'attaque pas spirituellement. C'est un animal qu'elle doit donner. Donner. Donc, si tu acceptes, tu vas devoir nous donner cet animal-là. Ok. Apporter la plateau de farine. Ah, j'ai la douleur de vous annoncer le délai de décès de Scott Eyebe. Lui aussi, il est parti. Oui. Alors que, oui, oh, Eyebe Scott aussi. Vous pouvez donc comprendre que ce qui arrive aux êtres humains peut arriver aux animaux. La dépression, le fait de perdre d'un coup tous les membres de sa famille, malgré tous les efforts qu'on a fait, on l'a amené chez le vétérinaire et il avait déjà pris ses médicaments. On a juste trouvé Eyebe Scott dans une pièce de la maison. Raide. J'avais jamais vu le chat dur comme ça. Il a massé la bonne nuit. Bah, tu sais que quand on déprime, on peut arriver à enlever les habits. Donc, du coup, lui, il ne mangeait plus complètement. Je vous disais qu'on devait acheter ses médicaments. On a acheté. Eyebe Scott n'a pas tenu. On a bien cherché le matin. Où est Scott? La femme de ménage. Il est là dans la cour. Elle est vue, alors que Eyebe était dans une pièce raide depuis. On passe mal. Pour le jeter, c'était très difficile. Ça, c'est grave. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne comprennent pas qui est Eyebe Scott, ne posez pas de questions. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder l'émission. Ouais. Ceux qui étaient là vendredi, jeudi, vous avez pu comprendre qui est Eyebe Scott. Bon. Maintenant, si vous avez une chatte à la maison qui a mis bas, viens vouloir me contacter parce qu'on a vraiment besoin d'un chaton. Il y a le bébé là qui avait l'habitude de tirer ses oreilles. Du coup, il se sent. Moi, j'ai vu comment on dit que les poils du chat dans la gorge. Oui, c'est très dangereux. C'est dangereux. C'est pour ça que moi je mets le chien. Il y a le chat et il faut bien le nourrir parce que lui il peut éteigner. Tu as vu le chat éteigner? C'est trop fort. Mon chat lui me léchait souvent. Aïe! Non, j'aimais bien. Sa langue chauffe. Non, mon doigt. Sa langue est comme la brosse. La brosse, voilà. La langue du chat. Donc, quand même, il te léchait. Mais je te dis que nous on a grandi avec environ 12 chats à la maison, Peter. C'était le château. Oui, j'avais tellement les chats. C'est quand ma soeur qui vient mettre un terme au chat à la maison. Oui, parce qu'on les prenait comme les bébés. Voilà. Et le mien, c'était Capitou. Qu'on a mangé. D'accord. En tout cas, les amis, tout à l'heure, Alvin Daniela va retrouver sa face dans de la farine. Et il faut dire, ne stresse pas. Partout on part aujourd'hui, tu auras ta farine. Non, c'est no stress. Partout on part, tu auras ta farine. Il faut qu'on comprenne que tu es un élément du morning show. Dès qu'on finit, là, on descend pour le taxi. Tu dois avoir ta farine sur toi, avec ton gloss, tu vois. Like, nous sommes donc partis pour cette dose de bonne humeur, cette dose de bonne vibe. Il ne faut pas être impatient. Tout à l'heure, Alvin Daniela aura son bol de farine dans lequel elle va tout simplement tremper son visage. On passe donc le troisième bonjour à l'endroit de celui-là qui nous accompagne également avec sa vibe, avec son énergie de lundi à vendredi et qui marque beaucoup sa présence le vendredi. La voix à qui on dit tout simplement good morning et warm welcome to the morning show. Bonjour Romain Peter. Bonjour la voix. Bonjour Marie-Christelle. Bisous. Bonjour Alvin Daniela. Comment ça va? On va très bien. Très bien. Le week-end a été. Quoi de spécial chez toi Romain Peter? Bon, ce week-end en particulier, j'ai beaucoup mangé et de la bonne nourriture, je vous assure. La bonne nourriture. Je ne savais pas qu'on pouvait faire les queues de bœuf avec le gombo et les légumes à l'intérieur et encore le poisson sec et du couscous manioc. Imagine, c'est like. Et tu sais, comme je suis l'homme de la maison, moi, on ne me sert pas. On se met dans le koumbou. On me met dans le koumbou. C'est qu'il me dit que j'ai le droit de manger à volonté. Et bon, côté film, j'ai aussi vu un film très magnifique. Ah bon? Une série. Ouais, une série très magnifique. C'est un truc de rare. J'ai adoré. Donc, j'ai passé du temps avec moi-même et j'ai eu une compétition de Naruto. On a joué au Storm à la maison. Tout le monde. Like, this was like a kind of great weekend and all that. Et j'ai découvert aussi une chanson qui m'a beaucoup parlé. Et on va tous découvrir cette chanson aujourd'hui. D'accord. Parce que vraiment, ce matin, sous la douche, je n'arrivais pas à me séparer de cette chanson. Donc, Mrs. Marie-Christelle et Alvin Daniela, tout à l'heure, vous allez aussi vous coller à cette chanson. C'est un jeu qu'on vous propose ce matin avec cette chanson. Donc, ça, c'est un week-end. Yes. Alors, toi, Marie-Christelle, comment ton week-end? Ah, super bien. J'ai fait du hammam. Hey. Je me sens. Tu as pas vu ma robe, même les mini. C'est qu'il faut qu'on voit bien ma peau. Bien gommée. Oui, j'ai fait du hammam.
quoi d'autre? J'ai beaucoup mangé aussi, ouais. Peter. Et puis, je suis sortie avec ma soeur. C'était juste impeccable. On ne savait même pas de quel côté les enfants se trouvaient. On était. Copine, oui, voilà. Ouais. Non, oui, ma soeur. Là, donc, du coup, c'est toi, copine. Oui, c'était bien, très, très bien même. Je suis rentrée hier, il était environ 23h. Donc, tu es sortie vendredi, tu es rentrée dimanche. Voilà. Un week-end, ça a always excellent. Je pense que ça, c'est une question qu'on doit plus poser à Marie-Christine. Ces week-ends sont toujours parfaits. C'est en semaine que vraiment. We don't know. Ah, ok. Mais chez toi, Alvin, Daniela. Mon week-end, il était cool. Mais beaucoup de travail. Vous savez, après la naissance de l'enfant, beaucoup de visites à la maison. Et surtout que tu travailles le samedi. Ça fait que tu n'ailles pas. Voilà. Oui, tu as quand même travaillé samedi. Oui, tu as travaillé samedi. Oui. C'est l'excuse parfaite. Oui, pour fuir les travaux et tu vois un peu. Te détendre quand même. Tu laves les assiettes au cuit, tu connais sur les bamileke, ça. Tu laves. Attends, toi finalement, toi tu es bamileke. Donc tu es bamileke aussi. Je suis bamileke, je suis pas bamileke. Ah, depuis peut-être 5 générations. Donc vous vous mariez entre vous, c'est de l'inceste. 100% depuis 5 générations, ça ne fait que être baganté. Tu es baganté. C'est de l'inceste. Je vois pourquoi tu portes le serpent. Tu te sens. this is like you feel yourself. Wow. Non mais attends, ça c'est une fille qui a beaucoup de culture en elle, like, parce que on connaît un Koteng, on voit elle parle anglais, mais elle nous ramène qu'elle est barantée et tout ça, like cultural diversity. Donc comme ça, c'est toi qui es censé laver les faire la vaisselle. Il y a pas quelqu'un après toi. Non, je suis la plus petite chez nous, même si. Et j'imagine. Je suis la plus petite à la maison. Si elle ne fait pas comme ça, le travail va nous tuer. Attends, la vie, si même, je ne sais pas quel parcours professionnel nous on fait au Cameroun. Une chroniqueuse qui faisait la reprise. Je le. Ma grand-mère ne blague pas, Peter. Mais avant de sortir de chez moi, je dois laver les assiettes. Elle ne respecte pas le fait que tu passes à la télé. Ça, c'est quoi ça? Chez nous, je suis l'enfant. Ça. Je suis l'enfant de ma grand-mère. S'il vous plaît. Tu vas passer, tu es là, tu laves les assiettes. Une où je viens te filmer. Non, c'est dedans, quand même. Tu sais à quoi j'ai pensé aux assiettes? Non, j'imaginais ça à l'extérieur, sur la cour. Tous les bols d'un cuivre, c'est là. C'est dedans. Ah là là. No, like this is moi j'arrive pas à assumer ça parce que tu sais normalement il y a des couloirs professionnels où c'est vrai et c'est pour ça qu'on adore Afro parce que la jeunesse ouais on sait faire nos trucs tu vois et on sait que généralement dans les couloirs une chroniqueuse c'est une personne qui a déjà peut-être une vie établie like elle est déjà peut-être en concubinage ou elle est mariée elle a des enfants mais on a une ici elle est célibataire pour, elle est en couple. Pour pouvoir aller chez son gars, il doit mentir. Oui, et c'est elle qui lave les assiettes à la maison. Elle n'a pas le choix, il n'y a personne qui doit le faire. Like, this is terrible. Wow. Mais tu as fini par laver quand même. Non, je lave vite. On va me sortir chaque matin. Comme quand on était au Koumoine 2. Je lave. Si, je suis prise. Il faut quand même, c'est l'enfant. C'est l'enfant de la maison. Ça va, là. Elle vit avec la grand-mère. C'est pas comme la grand-mère qui va laver les assiettes. Du tout. Ça va. C'est juste que ça rappelle cette. Ouais, c'est un souvenir. J'ai déjà les larmes aux yeux. Mais ouais, tu sais que moi, si je me retrouve chez ma mère à faire la vaisselle, c'est un peu compliqué. Tu vois, ce n'est plus trop ça. Tu as l'impression que c'est elle. C'est surtout elle-même, elle ne fait rien. Sa vie, c'est seulement maintenant. Moi, alors, si je pars chez ma mère, on lave même mes vêtements. Oui, alors, do something. Je suis un invité. Côté cuisine. Je cuisine rarement, la nourriture est toujours prête. Mais il y a les travaux que je ne peux pas laisser ma grand-mère laver le sol. Il y a les travaux que non. Okay. Je ne suis pas contente quand je vois grand-mère faire ça. Donc, je m'en charge. Ça, oui, quand même, c'est bon. Je pense que dans l'avenir, très proche, tu l'as trouvé ménagère qui va faire ça tu à ta place. Tu passes quand même à la télé. Tu passes quand même à la télé. Non, c'est pour très bientôt. Ah, okay. C'est comme si Maïne même s'en charge. Et j'espère que quand tu laves le sol, là, ça va la raquette. Bah, si c'est avec la raquette, tu te baisses. This is not the souvenir. Nous sommes tous passés par là, mais on a quelqu'un qui vit encore ça. Like, this is terrible. Et tu sais, Peter, quand ma maman me grondait souvent quand j'étais fâchée en faisant, elle disait que toi, tu penses même que laver les assiettes, c'est quoi? Un truc qui ne te prend même pas 5 minutes. Aujourd'hui, je vis ça. Je ne prends pas beaucoup de temps pour faire la vaisselle. Ouais. C'est donc des trucs rapides. Avant, tu avais l'impression qu'on t'a donné la corvée la plus lourde de la tête. Ton frère vient comme ça. Pendant que tu es en train de laver, tu restes. Il part manger. Pendant qu'il vient encore, tu peux le claquer.
claquer. Pourtant, aujourd'hui, c'est rien. Tu souhaites même que, avant que tu n'aies fini là, que les autres viennent déposer, puis rapido. C'est rien du tout. Bon, moi, comme ça, c'est pour ça que j'ai adoré mon père. On a une ménagère jusqu'à présent, mais il a tué l'esprit là. C'est-à-dire en sorte que tout le monde lave son assiette. Oui. Si tu as la cuisine, que c'est toi qui prépares, tu laves cela en quoi tu... C'est pas sûr, je comprends. Maintenant, n'empêche que vous mettez votre repas dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de mélanger le riz avec la patate et la soupe. Non, c'est pas parce que tu as virtuellement lavé une seule assiette. Mets tes compléments dans une assiette, tu mets la sauce à repas, tu prends un couvert normal, tu manges, tu pas laver. Ça ne t'enlève rien du tout. Mais tu vas voir, là, il prend le combo parce que dedans, il met tout. Il ne veut pas qu'en allant laver, que ce soit beaucoup. Le gars mange même le spaghetti avec la cuillère. Ouais. Parce qu'il a peur de... Non. Ouais. Mettez-vous dans des conditions de restaurant. Mm-hmm. Quand vous mangez, maintenant, si c'est que tu veux sentir que ça descend, tu t'assois dans même le sol et tu manges ton truc. Non, voilà. Honnêtement, je vais terminer en disant que c'est bien de grandir. Non, tu vois, c'est bien. It's good to grow and to know. Là, maintenant, par exemple, moi, je donne les ordres pour qu'on lave le sol. Mm-hmm. Moi, je donne... You see, I feel myself. Je me souviens encore quand je venais encore avec ma mère, je rentrais le soir. Parce que... 22 non, j'ai commencé comme toi, tu vois. Mm-hmm. Quand j'étais encore chroniqueur ici, au début, je vivais chez ma mère. Mm-hmm. Je rentrais le soir, on avait couvert mon assiette de nourriture, qu'on a fait pour parler depuis, et je devais manger la nourriture froide. Mais elle, quand son mari rentre, elle rechauffe la nourriture, tu vois. Là, il y avait, et maintenant, toi, si on entend ce moment, à la cuisine, que tu ouvres le gars, on dit, mais pourquoi tu ouvres le gars? Attention. Like, this is something terrible. Mais là, maintenant, quand je rentre, like, I have the same privilege. Yeah. You say, it's good to grow. Hein, dans you, comme ça, là, bizarrement, toi, tu ne vas même pas grandir. Parce que tu auras le chez-toi et tu seras toujours obligé de faire ces tâches-là. Mm-hmm. Parce qu'une femme a beau arriver au niveau où elle a une ménagère, mais tu ne vas pas dire que parce que tu es ménagère, tu le fais plus X ou Y. Oui. Il y a des femmes de milliardaires, de millionnaires, même ici dehors, qui se retrouvent encore en train de laver le sol ou même laver les assiettes. Elles ont tout intérêt. Voilà. Parce qu'il y a des hommes qui sont très difficiles. Aussi. Oui. Non seulement ils ne mangent pas le même repas deux fois, voilà. Mais ils ne permettent même pas que la femme de ménage entre dans sa chambre. Voilà. Touche face à la cuisine, c'est-à-dire, donc même pour les travaux où tu sens que tu peux donner à la femme de ménage, là tu te dis non, ce n'est pas elle de faire ça, c'est ma femme, si ce n'est pas elle, qu'elle parte de chez moi. Aussi. Donc du coup, elle est obligée de le faire. Et un même peut être plus exigeant, et il dit que même le petit déjeuner des enfants le matin, c'est madame qui s'en charge. Oui, il y en a qui sont... Vous avez l'argent. Si ils ont les moyens, où est le problème? Bon, le truc aussi, c'est que ça dépend, hein. Mm. Parce qu'à un certain moment, la tâche devient légère. Mm-hmm. Quand vous avez l'argent, la tâche devient légère. Mm. Parce que là, maintenant, le petit déjeuner n'est plus comme pour nous, c'est là que tu vas te lever le matin, il faut aller à la boutique pour aller payer 3 œufs. Mm-hmm. Tu vas venir encore faire les 3 œufs, là, couper le... Non, tout est déjà là. Donc, ouais. Ce n'est que le tac-tac, tu fais tac-tac, like this is. Maintenant, dear friends, comme on l'a dit, it's good to grow. La voix devait terminer sur l'introduction, on a même coupé la voix. Mm. La voix qui passait le temps à saluer les gens, hein, like, yeah. Mais bon, la voix, on te laisse terminer ton bonjour avant qu'on passe au DJ Tata. Bon, vraiment Peter, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait vraiment une expérience le week-end ici, avec les cafards. Je me suis rendu compte à deux reprises que quand tu tues le cafard, tu laisses. Le matin, c'est plus là. Mais le cafard ne meurt pas comme ça, on a déjà vu ça ici. Oui, je confirme ta théorie que tu disais la dernière fois. Le cafard me coupe sa tête, c'est un island. Coupe sa tête. Sinon, ces gens viennent le prendre. Et tu sais que la présence du cafard, ce n'est pas toujours l'insecte qu'on voit là. Donc, vous blaguez. Parfois, le cafard, même, tu vois, le truc, c'est qu'il a sa. Je vais même dire ça avant, son sac là. Que quand tu tapes, ça s'éclate, tu crois que tu l'as tué. Non, oui, sa carapace. Laisse-la, il va s'élever, il va partir. Est-ce que je ne vous ai pas dit que chez moi, carrément, le cafard d'eau, il se réveille le matin? Donc, tu le trouves carrément sur le dos. Tu crois que c'est un cafard mort. À peine tu prends la pelle comme c'est le balai, vroup, le gars s'est retourné marathon. Je les ai déjà rencontrés comme ça 3 ou 4 fois. Mm-hmm. Il dort comme ça. Il dort. Hein. Donc, désormais, quand je les trouve endormis comme ça, c'est la babou. Il se retrouve au paradis. Froid! Une fois. Et tu vois, c'est pas tout à fait comme ça. Quand il agonise, il dit c'est bon. Mais je te jure, j'étais éberlué le matin. Oh là 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 là. Il t'a laissé épopé. C'était terrible. Mais quelle bassesse de la part de ce cafard. Quelle bassesse de la part de ce cafard. Mon Dieu. Mais bah, merci à toi d'avoir. En tout cas, je voulais aussi dire bonjour au chat à la maison. Qu'à 10h, 12h. C'est notre heure.
C'est donc parti pour l'amusement, tellement d'histoires à vous raconter, les amis. Vous savez, notre catalogue d'histoires ne manque jamais d'histoires. Là, DJ Tata. Je voulais avoir Mélie sous la voix. DJ Tata qui nous propose, comme à chaque lundi, 4 chansons pour nous accompagner avec une dose de bonne vibe, une domination d'Afrobeat Productions, une domination de Martins, une domination de Sabrina. Et on retrouve aussi quelqu'un d'autre que vous allez découvrir à travers ce mastering, ce playing de DJ Tata nous propose ce matin, les sables de vibe.